on doit mener une bonne vie, je ne sais pas trop, avec une journée, un matin comme ça, ça nous donne plein d'énergie je pense qu'on a besoin de cette lumière-là chaque matin. Alors, pour moi, c'est un élément essentiel aussi. Où j'habite, j'ai besoin de ce soleil matinal qui nous donne le goût d'entreprendre notre journée. Alors, donc, je suis architecte déjà depuis quelques décennies. Le temps passe, le temps passe très, très vite. Je suis également professeur à l'Université Laval, ici en architecture. Donc, ça me permet d'être avec aussi des jeunes étudiants. J'ai une équipe, l'atelier, donc, que j'ai fondée il y a déjà une vingtaine d'années. Donc, j'ai avec moi une dizaine d'architectes. Donc, on travaille sur des projets qu'on souhaite le plus diversifié possible. Ce que je trouve fascinant en architecture, en fait, c'est la possibilité de travailler à toutes les échelles. On travaille pour faire un meuble, mais on travaille aussi pour faire des grandes des installations éphémères. On travaille pour faire une maison, faire un bureau. Alors donc, on essaie d'explorer différents univers. Et c'est complètement à l'opposé de ce qu'on fait habituellement dans la société québécoise. Parce qu'on aurait besoin d'être déjanté, je pense, un peu plus. On est rendu, je trouve, une société qui fait beaucoup du même. Par exemple, je le dis souvent, je souhaite toujours faire une école. J'aimerais faire une école. Pour moi, c'est un lieu essentiel. Oups, je ne sais pas si... je vais peut-être faire des... Ça va? OK. Je souhaite faire une école, mais au Québec, on ne peut pas faire une école si on n'a pas déjà fait. Donc, ce qu'on demande, en fait, c'est de faire du même. Alors, ça fait 30 ans que je suis architecte, mais je ne peux pas faire une école parce que... Alors, ceux qui font des écoles, ceux qui font les hôpitaux, c'est ceux qui font les hôpitaux. Donc, c'est comme ça aussi, on vient à une société tarie. On a des talents dans tous les domaines, mais à un moment donné, on met une structure, on met un carcan qui empêche la créativité, je dirais, d'exploser. Ça ne m'empêche pas de faire d'autres choses. Je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai dit, là, je ne l'ai pas fait encore, mon école, mais comme je me prévois encore quelques décennies de travail, j'ai dit, à un moment donné, il va y avoir une petite porte qui va s'ouvrir, puis on va s'engouffrer dans cette brèche. Alors, ce qu'on aime, comme on travaille comme ça sur un ensemble de projets à différentes échelles, c'est effectivement, pour créer, il faut sortir de sa zone de confort. Comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort pour se mettre dans un état de disponibilité? Alors, avec mon équipe, on a plusieurs façons de faire ça. Il y a deux éléments qui sont associés principalement à l'architecture, qui est le dessin. Pour vous donner un exemple, j'ai personnellement des cahiers de croquis. J'en ai à peu près maintenant 700 cahiers de croquis dans lesquels il y a à peu près une centaine de croquis. Donc, vous voyez le nombre d'images que ça peut représenter. Le croquis, et ça, c'est un élément, et j'insiste beaucoup auprès de mes étudiants. On a pensé qu'avec l'avènement du web et tout, le dessin allait être un élément qui allait peut-être disparaître parce qu'on allait faire des images de synthèse. Et c'est, je dirais, probablement l'inverse. Le dessin ne connecte pas de la même façon si on veut écrire quelque chose, si on veut faire un élément et si on veut faire la main. Donc, c'est l'idée, quand on veut faire des projets, souvent, je pars avec un cahier de croquis, puis je dessine. Je laisse aller. Alors, pour un projet donné, on peut arriver à un moment donné avec des centaines de dessins. Et c'est ça qu'on... Dans notre atelier, on a deux zones. Une zone qui est la zone de travail et l'autre qui est la zone d'exploration. Alors, on a un grand mur sur lequel, à un moment donné, on va accumuler un grand, grand nombre de dessins, de choses qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. Et là, moi, ce qui est assez étonnant, je ne sais pas si c'était avec le temps, j'ai une très grande facilité à dessiner, c'est que même des fois, je tourne une page, je ne sais même pas ce que je vais dessiner. J'ai l'impression que c'est la main qui part, et à ce moment-là, un élément surgit. Je vais y mettre de la couleur, et volontairement, c'est pour ça que je dis que des fois, c'est déjanté, je ne sais pas ce que je fais, je mets de la couleur, et le regard ensuite, de revisionner ces éléments-là dans le cahier, ensuite d'envoyer les pages, les mettre sur le mur, et ensuite de pouvoir faire des permutations, on met un élément à côté. Alors, donc, on le fait comme ça avec les dessins que je fais, mais des dessins que mes collaborateurs font. Donc, ça, c'est, on se crée de la diversité. Donc, on veut sortir du même. L'avantage du dessin aussi, c'est que
comme dans un dessin d'enfant, on peut voir plein de choses. Ce n'est pas un élément qui est figé. Alors ça, c'est pour nous une source pour sortir. Le dessin est un élément, je dirais, qui nous amène dans toutes sortes d'univers. L'autre chose qu'on fait énormément, si vous venez dans notre atelier, il y a des centaines de maquettes un peu partout. Alors, on produit pour chaque projet différents scénarios. Et on essaie toujours qu'il y ait un scénario qui soit complètement en dehors même de ce qu'on attend, pour se surprendre soi-même. Alors ça, c'est un autre élément important, et il arrive des choses inusitées. Un élément qui m'avait amené à travailler de cette façon-là, c'est le bureau, ça s'appelle Oma, c'est Rem Koolhaas. Et j'avais lu ça il y a quelques années, mais ça m'avait étonné, mais je me rendais compte qu'on faisait ça, nous aussi, de façon intuitive dans mon atelier. Alors, Rem Koolhaas travaillait sur un projet de maison. Pour vous donner comment la création, ça nous amène de différentes façons. Il travaille sur une maison, il rencontre son client et il lui présente le projet de sa maison. Tout d'un coup, le client, ça ne lui convient pas du tout. Même, semble-t-il, que le client fait quasiment une crise en me disant « Vous n'avez rien compris, c'est pas ça qu'on voulait pantoute. » Ferme la porte, claque la porte, s'en va. Alors, la maquette de la maison est sur la table de conférence. Après ça, c'est l'équipe qui travaille sur un concours pour la Casa de la Musica à Porto, qui rentre. Alors, il arrive avec la maquette du site, puis il y a la maquette de la maison qui est là. Alors, il y en a un qui met la maquette de la maison sur la maquette du site pour la Casa de la Musica. Puis il y en a un qui dit, mais mon Dieu, c'est parfait. Le projet raté, que le client était comme désenchanté, pour dire pas désenchanté, est devenu le projet qui a gagné le concours. Je l'ai visité. J'étais au Portugal, justement, cet été, et j'ai fait une visite et il rappelait effectivement cette anecdote. Donc, comment, et c'est ça qui est assez étonnant, il faut créer, c'est se mettre dans un esprit de disponibilité. Alors, c'est pour ça que cette maquette-là, si on la regarde, n'était pas du tout à la même échelle. C'était une maison. Puis c'est devenu cet immense projet qui est la maison de la musique. Alors, ça, c'est arriver à créer ces moments-là, qui sont des éléments essentiels. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de créer de différentes façons. L'autre chose qui est importante pour nous aussi, un peu comme vous le voyez ici, c'est de créer des projets éphémères. Créer des projets éphémères, ça devient aussi comme des laboratoires. Et comme je vous disais au départ, dans notre société, on n'est pas tellement enclin à aller vers l'innovation pour ce qui est des projets qui demandent beaucoup de moyens. Mais une des belles pistes que j'ai trouvées, c'est les éléments qui sont faits de façon éphémère. Alors, à ce moment-là, les gens se disent, bien, si ça ne marche pas, on la défait puis on recommence. Alors, je me rappelle, depuis quelques années, on fait ce genre d'installation. Alors, ça a plusieurs impacts. On a, par exemple, fait, il y a quelques années, on a commencé ça de façon un peu inusitée. Ça s'appelle les jardins d'hiver. Donc, on fait des fins de semaine un peu comme ça. Pour moi, la nature est aussi un lieu qui nous permet de rentrer dans un état de disponibilité. Et on va avec mon équipe. On a un lieu qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle le Parc des Grands Jardins. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu qui est derrière Baie-Saint-Paul. C'est un lieu aussi un peu étrange. C'est la taïga, cette végétation un peu particulière. C'est des grands plateaux qui sont presque à 1000 mètres, qui est la plus au sud au monde. Donc, à moins de 2 heures de Québec, on est complètement dans un autre environnement. Alors ça aussi, c'est un élément intéressant, mais ce qu'on trouve particulièrement intéressant, c'est même d'y aller l'hiver. Alors, première des choses intéressantes, alors, comment est né ce projet-là, je vous raconte. On part pour 2 ou 3 jours pour couper avec ce qu'on est en train de faire. Donc, si on veut arrêter de faire du même, des fois, c'est le même de faire une espèce d'électrochoc. Alors, on part, dès qu'on quitte la route, il n'y a plus de réseau. Alors, aujourd'hui, de trouver des zones où il n'y a plus de réseau, c'est-à-dire que vous allez avoir toute votre équipe disponible. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ça prend quand même un certain temps. Les gens ont leur téléphone, hein, puis là, ils consultent encore. Ça prend presque une journée avant de se dire, bien là, à un moment donné,
Ce qui est bien là-bas, en plus, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. C'est qu'à un moment donné, à force de... Puis, on y va l'hiver, c'est pas long que le téléphone... Il n'y a plus rien, mais même des fois, il n'y a plus de piles, il n'y a pas de réseau, mais les gens sont encore en train de le tripoter, excusez-moi, comment ça devient... Mais, alors, il y a quelque chose de merveilleux aussi dans cet élément de sortir. Alors, de cette zone de confort-là, on va là l'hiver, souvent en janvier, février. D'abord, on rentre dans un hiver où il fait très froid. Il n'y a pas de route, donc on doit partir avec nos traîneaux pour la nourriture pour quelques jours, nos vêtements. Alors donc, il y a l'idée un peu de cette, l'idée de l'expédition. Donc, et une chose qui est formidable, aujourd'hui, c'est qu'on oublie, c'est la capacité de faire ensemble. Comme tout le monde, des fois, est un peu déconnecté, hein, on est dans un monde où tout est fragmenté. De rentrer ensemble dans un même univers, je dirais aujourd'hui, c'est être, d'une certaine façon, déjanté. C'est de se couper de ses réseaux, d'entrer ensemble dans une même rythmique. Et ce qui est assez incroyable, c'est que là, le chalet est environ à 10 km, donc on a un grand effort physique à faire ensemble. Et on doit se relayer. Il y a vraiment l'esprit d'équipe qui se... On doit tirer des traîneaux et on en a qui sont plus faibles que d'autres, se placer à tour de rôle. Donc, on est arrivé là, on avait apporté, bien sûr, pour le chalet, quelques bougies. Alors, le soir, il y a le plaisir de préparer tout le monde ensemble. Et il n'y a personne pendant le repas qui est aussi sur son téléphone. Donc, très, très, très grande disponibilité. L'élément, on a placé le soir, pour avoir de la lumière autour du chalet, dans la neige, on a fait des petites crevasses, puis on a mis des bougies. Alors, ça faisait, c'était intéressant, autour du chalet, il y avait comme, je ne sais pas, une vingtaine de bougies. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est venu naturellement, on a dit, mon Dieu, c'est un beau terrain de jeu. Comment pourrait-on animer un endroit qui est complètement isolé, donc il n'y a personne, il y a 5 chalets sur un grand territoire pendant tout l'hiver. Alors, on s'est mis à brainstormer dans ce chalet-là, sans électricité, pour dire qu'est-ce qui serait possible de venir faire ici, dans le parc des Grands Jardins, ensemble, pour en même temps en faire un moment de brainstorming. Alors, on s'est mis... Alors, en regardant ces quelques bougies-là, il y en a un qui a dit, mais si, au lieu d'en mettre 10, on en mettait 1000. Alors, on est retourné le mois suivant avec des boîtes... 1000 bougies, là, ça a l'air de rien comme ça, pour tracer sur le lac. On a fait un damier avec des cordes pour placer de façon très, très régulière les 1000 bougies. Alors, c'est aussi assez étonnant. Ça a l'air simple de bien placer, mais là, d'abord, il fait froid. Hein? Et... On avait placé on a dit comment on va faire d'abord? Hein? Oui, bien ça, c'est l'autre, vous allez voir, c'est l'autre problématique Alors, de partir d'un élément très simple et de voir. Donc, on avait ces caisses-là de petites bougies. On avait mis les cordes avec des lignes pour pouvoir les espacer. Et on a commencé. On a dit si on veut allumer les bougies pour les faire, on ne peut pas commencer, surtout au mois de février. Il fait, la noirceur tombe tôt. Donc, on a commencé à installer les bougies tout de suite après le dîner, puis on a mangé. Alors, déjà, le problème, c'est avec les bougies, les mains font moins 20. Alors là, il y a une problématique, il fallait se relayer pour aller à l'intérieur. Et là, quand on est venu, ça nous a pris 2 heures à peu près à installer les bougies. On a fait des crevasses, on les a mis pour justement éviter le vent. Là, on avait des espèces de grands briquets qu'on sert pour les barbecues. Alors là, on était tous contents. On s'est dit, on va se servir de ça pour allumer. À moins 25, ça ne fonctionne pas. Donc là, tu as tout installé, tu as tous tes éléments, puis tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on est tous retournés à l'intérieur se prendre café parce que là, tout le monde était gelé. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout ce qu'il restait, c'était les bois dans lesquels on avait apporté des bougies. Donc, il a eu l'idée, il a dit, bien, on va mettre des bougies dans les boîtes et on va se promener avec les boîtes. Comme ça, on va pouvoir prendre des bougies, les allumer dans la boîte. On va être à l'abri du vent et les remettre. Alors, ce qui est assez, qui était vraiment très beau, ça commençait tout d'un coup à baisser, c'est que la boîte faisait comme une espèce de
de projecteurs et ça éclairait les visages. Ça me faisait penser à certains tableaux de la Renaissance où ils prenaient des tableaux avec de la lumière, de la bougie. Alors donc, là, on avait comme ces traîneaux qui se déplaçaient sur la lac. C'était une espèce de grande chorégraphie pour réussir à allumer toutes ces bougies-là. Et ce qui est assez incroyable, de placer des bougies comme ça, je pense que pour tout le monde de mon équipe, c'était le moment, probablement le couchant le plus exceptionnel de leur vie. Ce qui arrive, c'est qu'on met une source lumineuse qui est, elle, la bougie, son intensité varie très peu, mais ça nous permet, comme on a une référence, de voir le couchant se changer. Alors, tout d'un coup, on est dans la lumière, tranquillement, on voit apparaître un peu les bougies. Tout d'un coup, les bougies deviennent de plus en plus présentes, et là, la luminosité du ciel est fantastique. Et à un moment donné, on a eu l'impression que c'était les étoiles qui étaient tombées sur le lac. Alors là, et c'est l'autre élément, donc on marchait, on était comme un peu subjugué juste par 1000 bougies sur un lac, de se promener à travers ces grandes allées-là, et tranquillement, ce qui est arrivé, bien, c'est les bougies ont commencé à s'éteindre, et on avait comme oublié le froid. Alors, donc, à partir d'une petite idée, donc, on a publié ces projets-là, et, chose étonnante, avec ce projet-là, on a gagné des prix aux États-Unis, en Europe et tout. Donc, à partir de cette série de Jardins d'hiver, j'ai été invité à donner des conférences partout à travers le monde. Donc, c'est pour ça qu'un élément aussi, je pense que c'est probablement le projet qui m'a amené à donner le plus de conférences. 10 boîtes de bougies une fin de semaine sur un lac gelé en plein hiver. C'est assez incroyable. Donc, c'est pour ça que la création, d'une part, ça ne prend pas nécessairement beaucoup de moyens. Il faut se donner un moment pour sortir. Pour moi, le mot déjanté, c'est sortir de ses habitudes. Qu'est-ce qu'on peut être autrement? Et c'est pour ça que d'aller dans un autre lieu où on était confronté au froid, à l'équipement à apporter, à ne travailler sans électricité, sans réseau, on se retrouve à ce moment-là d'autres capacités. Alors, c'est un élément. Alors, donc, on a continué. Alors, c'est devenu un peu une espèce de rituel. On en a fait un autre sur le même lieu qui était de prendre des tentes. On est allé installer une centaine de tentes qui sont devenues comme des grandes lanternes. Hein? Et on est allé installer ça également sur le lac. Alors, c'est la même chose qui a opéré. Cet élément-là, donc, ça devient des laboratoires ensuite qui nous donnent aussi confiance pour dire comment est-ce qu'on va réussir dans un projet ensuite réel d'architecture à faire. Alors, donc, on vient de faire un projet pour, certains le connaissent peut-être ici dans Saint-Roch, pour OVH. Donc, c'est une compagnie qui travaille sur le web. Ils sont aussi... Alors, on leur a dit, ils nous sont venus nous voir, puis on dit, on aimerait un espace pour travailler. Alors, ce qu'on s'est dit, on dit des gens qui passent leur temps sur leurs écrans, comment les amener complètement ailleurs? Donc, on a testé différentes choses. On a eu l'idée, on les amène sur une plage, on les amène à la montagne. Comment est-ce? On a fini, l'image qui s'est imposée pour un bureau, c'était un quai. Un quai comme si on était sur le bord d'un lac. Alors, l'élément central de l'aménagement, c'est un grand quai tout en bois sur lequel on a mis du mobilier extérieur, des chaises Adirondack. On a créé des poches comme ça dans le quai pour pouvoir aller s'asseoir. Et on a mis tout autour de ça des chalets qui sont sur roues, des chalets mobiles. Alors, donc, pour faire des bureaux qu'on peut déplacer, et on est venu mettre énormément de végétation. Donc, quand on est là, tout d'un coup, c'est un peu comme ici, on dit, est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est en dedans? Donc, de se sortir, si on passe sa journée devant un écran, qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, on est connecté avec d'autres sens? Alors là, bien, les plantes ont une odeur, il y a une humidité, il y a l'odeur du bois aussi. Alors, c'est assez étonnant parce que j'étais là, puis des gens me disent, j'ai travaillé, mais
le sens de l'odorat m'amène complètement ailleurs. Je me rappelle le chalet de mon oncle. Le bois du quai, c'est... Alors ça aussi, c'est une autre chose. Dans nos univers très... Avec le téléphone, on ne peut pas avoir encore ce côté tactile, ce côté hein, de l'odorat. Donc, c'est des éléments aussi pour créer une atmosphère qui sont importants de susciter. Et vous savez que l'odorat, c'est le sens le plus évocateur. Vous respirez, vous avez une odeur et votre cerveau vous amène, vous téléporte dans votre imaginaire à l'endroit où vous avez senti la même chose. Donc, c'est un élément aussi fascinant, mais c'est un sens qui est de nos jours sous-utilisé. C'est pour ça que nous, on essaie, dans bien des projets, de choisir des essences. Particulièrement, le bois est très bien là-dedans, surtout si on ne le traite pas. Vous avez le cèdre, qui est aussi un élément extrêmement puissant. J'ai une cabane, moi, dans la nature la fin de semaine, elle est toute en cèdre. Et c'est assez fou parce que quand j'arrive là, le sens qui me fait décrocher, c'est cette odeur-là. J'ouvre la porte, je sens le cèdre, puis mon corps est comme... Et ce qui est assez étonnant, des fois, j'arrive dans un autre endroit, c'est la même odeur-là, et j'ai le même, mon corps pense qu'il est arrivé en fin de semaine. Alors, il y a des mécanismes comme ça, des rituels qu'on peut instaurer qui sont, je crois, extrêmement importants. Alors, donc, comme je vous dis, pour le départ, on fait beaucoup de dessins pour explorer des choses, éléments. On va ailleurs, dans des cadres tout à fait autres aussi pour... découvrir des choses. Et l'autre élément qui, je trouve encore, est tellement formidable aujourd'hui, c'est bien sûr le fait d'aller ailleurs, de voyager. Pour moi, ce qui a toujours été peut-être l'univers le plus fascinant pour nous permettre... Ça, je vais faire une petite pause. C'est d'aller dans un... Ça fait une pause, hein? C'est ça. OK. Alors, un des pays où, pour moi, ça opère le plus, c'est le Japon. Alors, je vais au Japon depuis 20 ans. Et pour faire peut-être une petite anecdote, le moment où j'ai été le plus déjanté, c'est probablement au Japon, mais sans le vouloir. Il y a aussi ça qui se passe dans la vie. Et... quand on quitte un milieu et on s'en va dans un autre, on peut faire des choses qui, selon notre univers de référence, est la norme, mais rendu dans l'autre univers, ne l'est plus du tout. Alors, ma mère m'avait demandé, elle dit, Pierre, il faut que tu m'achètes un kimono. Alors, comme bon fils, je pense à ma mère. Alors, mais je suis dans une petite ville, et là, je me dis, je vais aller acheter le kimono à ma mère. Alors, je trouve un magasin. Et le département pour les femmes est au 7e étage. Et je suis en plein après-midi. Alors, j'arrive au 7e étage dans le département pour femmes et je me présente dans la zone où étaient les kimonos. Et tout d'un coup, j'essaie autour de moi, je me rends compte qu'il n'y a plus personne. J'ai dit, est-ce que je sens quelque chose? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup... Alors, j'ai dit, bien, je vais aller voir des gens parce que là, j'avais les dimensions, je ne pouvais pas comprendre quelles étaient les bonnes dimensions. Alors, je me promets et tout le monde s'enfuyait. Je vais à la caisse, il n'y avait plus personne. J'ai dit, coudonc, est-ce que je rêve ou quoi? Là, je m'éloigne. Alors, je rencontre, j'ai été invité pour aller donner une conférence et je parle à mon invité en voulant dire que j'avais eu le moment où je me suis senti le plus weird complètement. J'avais l'impression que je n'étais même pas un humain. La façon dont les gens me regardaient, puis comme ils s'éloignaient. Alors, il dit, écoute, tu as transgressé un nombre incroyable de règles. Règles de quoi? Au Japon, en après-midi, qu'est-ce que tu penses qu'un homme fait? Au Japon, un architecte, il travaille. Si tu ne travailles pas en après-midi, là, ça ne va pas très bien ton affaire. Où étais-tu? Rayon pour dames.
Alors, donc, il continuait, puis là, à chaque fois, je me rendais compte, il dit, tu as probablement fait aller à l'endroit pour transgresser le plus de règles qui est important pour notre société. Moi, j'allais acheter un kimono à ma mère. Je ne suis pas arrivé avec un fusil ou un bâton de baseball. Je suis arrivé bien gentiment avec l'image de ma mère en tête et j'ai bouleversé des règles à tel point que les gens... Alors, les gens, ils ont dit probablement quelqu'un... Ils me disaient, pour eux, tu étais probablement quelqu'un un peu perturbé, qui était peut-être sorti d'un asile, qui était un peu perdu, qui était arrivé dans un endroit. Donc, alors, c'est pour ça aussi, ça peut nous amener dans des situations complètement étranges. Mais je pense qu'à ce moment-là aussi, ça nous fait, quand on ressort de là, ça nous fait comprendre aussi toute la société et comment est-ce qu'elle est organisée. Je pense qu'être déjanté aussi, et c'est comprendre que, et c'est pour ça que dans le processus de création, ce qu'il faut, c'est pas se censurer. Bien sûr, à terme, ce qu'on veut, c'est pas faire quelque chose qui va être... ce qu'on veut toujours, dans notre cas comme architecte, c'est rendre la vie meilleure. C'est faire en sorte que la création qu'on va faire, c'est pas de créer du malaise. Bien au contraire, c'est créer du bonheur et c'est créer des lieux qui vont permettre que la vie, pour une famille, si c'est dans la maison, le milieu de travail soit le plus... intéressant possible. Mais pour ça, il faut souvent être passé par une route qui va nous avoir fait découvrir des choses qu'on n'aurait pas vues d'abord. Et donc, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'un dessin, une maquette, la maison qui est manquée, qui devient le bon projet. On voit, nous, à quel point cet élément-là est important pour générer et comment est-ce qu'on transforme une idée pour qu'elle devienne toujours dans cette perspective de changer. Alors, on l'a fait dans... Vous voyez ces installations-là, bien, c'en est une. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont venus nous voir. On a dit, bien, on va faire... Alors, l'idée de faire un banc de neige, voyez-vous, le blanc, ce que ça a aussi, ça nous fait voir... Je suis aujourd'hui dans les arbres. Je n'avais jamais réalisé, parce que je passe souvent ici, que les arbres étaient si présents sur cette place. Mais ce que je vois, c'est qu'on a de la difficulté. Les gens qui utilisent le plus cette structure-là, c'est les enfants. Hein, les enfants, eux autres, n'ont pas ces a priori. Ils voient quelque chose qui a l'air d'un beau terrain pour s'amuser. Ils y vont. Alors ça, je pense qu'il y a quelque chose j'ai plaisir à... Allez, c'est probablement pour ça que j'ai un tel désir de faire des écoles. J'arrive, je suis allé à Copenhague au mois de juin. Donc, comme on disait d'entrée de jeu, on a fait une web-série l'an dernier sur différents thèmes. Il y en a une qui va être lancée le 30 août sur la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Mais de notre séjour à Copenhague au mois de juin, on va faire une autre web-série qui va porter sur différents thèmes. Alors, c'est vraiment fascinant aussi, et je vous dis, si des fois, quand on veut s'investir quelque part, d'aller ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de voir comment, dans d'autres sociétés, on a résolu des problèmes. Et, entre autres, l'école, je suis allé en visiter, j'étais tellement charmé d'aller visiter des écoles. Comment est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, comment on peut sortir de la classe? Et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser... Alors, une des écoles, entre autres, je vois cet amphithéâtre-là, un peu naturel, c'est ce qu'il y avait au rez-de-chaussée de l'école. Un grand amphithéâtre dans lequel les classes se réunissaient. Ça devenait un terrain de jeu, mais ça devenait aussi des éléments de présentation. Comment aussi, et ça, c'est un autre élément important, pour créer, il faut être dans des espaces, comme je disais, différents, bien sûr. On peut partir pour 2 jours, pour 3 jours, pour se stimuler, mais même dans la journée. Et c'est pour ça que quand on fait l'exemple d'OVH ou d'autres bureaux, c'est de créer de la diversité. Si tu ne veux pas avoir 5 salles de conférence pareilles, si chacune des lieux de rencontre peut être différente, justement, il y a la cabane rouge, il y a le chalet en bois, il y a la cantine, de façon aussi à se permettre de changer de lieu où la quantité de lumière, le mobilier, hein, on a tendance à vouloir tout uniformiser. Je pense que ce n'est pas ça le bonheur non plus d'être. Et c'est de s'offrir aussi des moments
pour aller à l'extérieur. Je pense que les bonnes idées, c'est de sortir du moule de la routine. La routine, c'est quelque chose, vous le savez, à un moment donné, on peut être dans un lieu merveilleux, mais si on passe tous les jours, après 5 jours, il y a quelque chose qu'on ne voit plus. Ici, le beau côté du voyage arrive, je suis arrivé le week-end dernier, et c'est ce que je pense, encore là, de garder quelques jours quand on vient de voyage pour voir le côté merveilleux de l'environnement dans lequel on est. Parce que si on n'est pas, on ne se garde pas ces moments de grande acuité, je pense qu'on vient à perdre la beauté qui nous entoure. Et ça, je pense que pour apprécier la beauté, je pense que c'est pour ça que peut-être dans le détour, quand vous allez le déjanter, c'est qu'il faut peut-être faire quelque chose qui nous apparaît comme, je dirais, laid. Parce que c'est en mettant différents scénarios, dont un qui est peu intéressant, que celui qui l'est devient à ce moment-là aussi, nous apparaît et prend plus de force. L'idée, je pense, de cette mise en comparaison et, enfin, dans notre domaine de l'espace, un des éléments les plus concluants, mais de créer cette diversité-là aussi. Souvent, le projet qu'on fait sera un amalgame de certains scénarios qu'on aura fait. Et là, c'est pour ça que, dans notre cas, quand on dit, il faut se donner du temps. Hein, on est dans une société aussi qui fait du même, et on fait du même parce qu'on va vite. Quand on va vite, quand quelqu'un vient voir puis veut, ben on fait ce qu'on a fait la veille. Ça va vite parce qu'on sait qu'on vient de le faire. Mais si on veut évoluer, si on veut avancer, il faut se garder, le temps nécessaire à faire évoluer cette idée-là. Et donc, il y a besoin aussi, dans le temps, quand on part avec l'équipe, ce qu'on se donne aussi, c'est le temps d'échanger, de sortir de l'échange habituel, parce que si on a fait un effort ensemble, si on a vu un couchant ensemble, si on a bu un verre de vin loin de tous, c'est aussi d'avoir ces moments privilégiés. Et dernièrement, j'étais justement avec des clients, on allait visiter le site et on est arrivé à la fin de la journée, on avait été retardé, mais aussi accepté et essayer de retourner des contraintes ou des bouleversements dans nos vies qui sont aussi, si on a cette capacité toujours à, je dirais, faire basculer une contrainte, un problème, quelque chose qui nous semble weird, mais dire, hey, comment est-ce qu'on prend cet élément-là, puis on le fait basculer pour que... Alors, je donne cet exemple-là, on est arrivé en retard sur le site, mais on est arrivé au couchant, et c'était tellement merveilleux de voir sur le fleuve, et même le client pour qui on avait fait le projet n'était jamais allé à ce moment-là, il s'est dit, je vais avoir ça tous les jours, ce soleil qui se couche sur le site. Donc, comment, à ce moment-là, ça devient aussi un élément de référence dans le développement du projet. Alors, quand vous avez une petite idée bizarre, là, écrivez-les, dessinez-les, puis laissez-les quelque part. Souvent, cette petite idée qui a l'air un peu saugrenue, c'est peut-être la prémisse d'une grande idée qui va changer votre vie. Merci.